Ça va être soirée manège, encore une fois. Vous avez de la chance, les enfants, quand même, hein, d'avoir des parents hyper cool qui vous emmènent plusieurs fois par semaine sur du manège. Ça aurait été mon rêve, moi, quand j'étais petite. Mon père, il m'emmenait de temps en temps. Mais c'était une ou deux fois par an, hein, max. Vous avez quand même vachement de chance. Un tout nouveau parc qu'on vient découvrir. T'as juste eu confiance en moi. On va danser. Là, je vais réaliser un rêve d'enfant. Salut, coucou. Vous m'accueillez dans la cabine? Ça va, mon petit bonhomme? Je vais parler. Allez, au micro. 3. Aïe, aïe. Les fratés. Accrochez-vous bien, les fratés. C'est Manon Tantier qui vous parle. Vous êtes fatigué! Oh, ils répondent! Regardez le manège! Ils sont bons, ils sont bons! Et on s'accroche, on va accélérer! Exposer son. Vous êtes fatigué! C'est la roue des problèmes ce soir! Elle va tourner, elle va tourner! Allez, du coup, après une bonne fête foraine, on est en famille en train de manger. On est toujours au même restaurant. Hein. Avec ses moules. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, du coup, on va essayer de trouver un petit marché dans un petit village. Je vais être simple. Vous avez été hyper nombreux à me dire le brusque. Voilà. Oula, non mais va pas. On va monter tout ça pour de vrai? Il faut qu'on monte en haut, là-haut, là-haut. À la base, on devait aller au Brusque, mais c'était hyper loin de chez nous. Ça faisait trop loin. Et en plus, Angelina et moi, on s'est réveillés un peu tard. Hein? Et du coup, on a été dans un petit village, Lacadière. Mais c'est tout en montée, en fait. Et j'ai l'impression qu'on va monter tout en haut. Allez, tire ta vieille maman! Moi, je suis très très mal dans le fond. Ça, c'est toi, maman. Regardez comme c'est mignon comme tout. Bon, alors là, on a pris un petit bout de chèvre. La bonne. Bon, les amis, j'ai 2-3 blagues carambars à vous faire. On va voir si vous trouvez ou si vous avez mangé beaucoup de carambars et que vous avez déjà la réponse. Quel est le fruit préféré des poissons? Ah oui, non. Pardon, on recommence. Quel est le fruit que détestent les poissons? Voilà, répondez-moi, je vous donne la réponse après. La réponse est la pêche. Je vais être sympa. Deuxième blague. Quelle est la destination préférée des canards? Deuxième blague. Alors c'est quoi? Le festival de Cannes. Le festival de Cannes. Les amis, je vous ai jamais demandé pour tout. Ma petite Johanna qui est venue à la maison refaire les ongles. Elle était venue il y a 3 semaines. Ouais, je crois. C'est mermaid. Là, il est temps de changer, voilà. Donc, j'ai trouvé une inspi sur Pinterest et on va tester. Je ferai à Dubaï de manière générale pour mon quotidien, mais là, l'été, je me lâche un peu. Bon, je pense que on va le garder peut-être 2 semaines et après, je vais encore changer. Ça te change parce que d'habitude, elle fait beaucoup de nude, de French et tout.
Alors non, hier à la fête foraine à la Seine, ça s'est vraiment trop bien passé. Tout le monde a été adorable. Bon, forcément, on a fait beaucoup de photos. On était là aussi un peu pour ça, vu qu'on avait prévenu en fait qu'on serait de passage là. Mais les gens, ils étaient tous trop gentils. On avait de la sécurité, on avait aussi deux gars de sécurité top avec nous. Le patron de la fête foraine était aussi très très gentil. Ça s'est vraiment trop bien passé. C'est une fête foraine que je vous conseille à la Seine. Et c'est là-bas jusqu'au 25 août. Soirée à 2 euros le manège des fois. En ce moment, ils font une tombola. Enfin, ils font plein de trucs chouettes. Quand vous choisissez. Enfin, franchement, j'ai adoré. Je pense. Mais non, mais c'est pas mes enfants que j'appelais papa dans mes snaps tout à l'heure. C'est mon père que j'appelais papa. En ce moment, il y a mon père avec nous. Je vais être sympa. Alors, l'ensemble que portait ou que porte Thiago aujourd'hui, est-ce qu'il le porte toujours d'ailleurs? Il est où? Ouais, il a gardé le short. C'est chine. Les vêtements des enfants de cet été, c'est chine. Hein. Rien à voir avec d'habitude. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des vêtements. On a trop hâte de tout déballer. Bon, alors, voilà, donc lui.